Bienvenue encore une fois, mesdames, mademoiselles et messieurs. Pas oublier ou sous TV la caisse, vous faites connecter à peine sous canal ça. Et n'a profité de remercier tout ce là-haut qui pas jamais lagué nous jusqu'à présent, qui toujours été connecté sous canal information. N'a pas dit merci pour choix, merci pour fidélité, merci pour confiance ou fait nous. Merci tout. Et parce que vous toujours partagez, commentez, like vidéo nous content en pile. Chaque fois, et bien, des citoyens, amis fidèles nous qui ont même, et bien, fait geste patriotique ça avec nous. N'a pas dit merci et n'a pas dit continuer, de suivre nous parce que nous toujours là pour nous porter information pour vous. Dans le dossier humiliation que les compatriotes haïtiens nous prennent dans Texas sous frontière États-Unis et Mexique, mesdames, mademoiselles et messieurs, et bien, il y a Daniel Foot qui s'était envoyé spécial gouvernement Biden dans le pays d'Haïti. Et bien, je dis à la citoyen, ça lui-même, remet démission là après tout désordre que. Et toute humiliation américaine ou bien des soldats et mexicains ben nous sous et donc territoire et Texas là, mesdames, mademoiselles et messieurs, et bien Daniel Foote même remettre l'état démission. Et nous allons entendre réaction colonel Imle rebut avec un ancien sénateur Yuri Latorti sous même dossier ça, mesdames et messieurs. Gain détail en dans vidéo ça, restez connecté sous vidéo jusqu'à la fin parce que gain bagaille qui ou pas doué et bien perdu n'a tout. Bonjour à auditeurs auditrices l'émission ça qui écoutait Gadi à travers le monde. Salut tout auditeur auditrice, et saluer et auditeur auditrice qui attendait dans le département de l'Antibé. Ok, sénateur Lantu, est-ce que c'est une grande surprise pour vous et la démission de M. Daniel Foote? Moi, je pense que l'IPATE, en surprise pour moi, qui a gagné contact avec M. Foote, puisque moi, tu as suivi. Moi, j'ai qu'à dire politique Daniel Foote à travers mission. Et moi, j'ai ouais que enfin, il y a un représentant officiel du gouvernement des États-Unis qui lui-même t'a dit ouais, question Haïti en l'autre genre. Elle t'a ouais dans le sens pour que tu aies une vraie solution, eh bien, qui te joigne par rapport à un dossier Haïti. Et il te travaille pour favoriser. Et au consensus haïtien, des travaux pour que nous une solution vraiment haïtienne et pour que transition ça, eh bien, nous t'es vraiment allé avec d'autres nouveautés. Nous t'es allé dans un changement au système. Et moi, j'ai remarqué que souterrain, que l'administration américaine, à travers l'ambassade blanc et l'ambassadeur, t'es bon l'autre politique. Qui c'était continuité de, eh bien, by Haïti, n'importe qui ça. Et depuis, il y a qu'à mettre devant stabilité, eh bien, n'importe qui ça, il y a qu'à Haïti. Il y a déjà remarqué contradiction ça, l'administration américaine à travers l'ambassade là qui est ici, et Daniel Foote qui lui-même, c'est web à l'autre genre. Et le plus souvent, moi, j'étais toujours à poser question. Est-ce que vraiment Daniel Foote son monde qui a traité? Est-ce que ce système-là n'a pas mangé? Parce que lui n'a pas adopté même ligne, moi j'ai dit, avec ce système-là. Et là, c'est arrivé que Daniel Foote démissionnait. Moi, quoi que je dis, eh bien, si tu as mangé, si tu as pas mal de possibilités pour faire changement ça, parce que pas oublier, dans le système, ça y a, et que ce soit dans le système la Russie ou les États-Unis, grande puissance, ça y a, de nomenclature, on sort des establishments qu'il a, eh bien, qui retenait en ligne tracée par peut-être depuis des décennies et qui pas voulu changer. Donc, je dis à mon pensée que, et démission Foote, la l'hypothèque question au niveau international, je vais regarder sur BBC, je vais regarder France 24, je vais regarder que, eh bien, gros émissaire, on voit un spécial américain qui dit que ça n'est trop. Ça n'est trop que nous. Non politique côté que États-Unis et Haïti pas qu'à choisir dirigeant. Ça n'est trop que pays en ami fait comme ça et puis États-Unis et un pays qui a souffri de cancer, États-Unis c'est aspirine la côté. Ça n'est trop d'est-ce que je tolère gouvernement corrompu, gouvernement bien qui pas utile à pays, mais c'est eux que l'Américain a employé. Ça n'est trop. Moi, je pense que c'est un bon signal pour le monde qui veut changement dans le pays ça, pour dire qu'à côté des batailles que la pleine air, eh bien, je dis, il y a d'autres mondes. Il y a d'autres officiels qui croient que ces batailles ça, qui pour aider de nouvelles relations entre Haïti et États-Unis. Et moi, moi-même, m'exprime dans ça, parce que pour pas qu'à faire un pas avec Haïti,
si nous restons dans cette dépendance totale. Ah, et quand l'homme de l'Union me dit, plutôt que nous avons tout occupé Haïti, au lieu de faire double, puis chaque coup de problème, nous disons Haïtien, plutôt que tout occupé. Si on n'est pas capable, bah, nos responsabilités, nous. Donc, dans ce sens-là, moi, je crois que c'est un pas. Et malheureusement, que Daniel Foot n'est pas arrivé à appliquer sa TVA qui a aidé Haïti à avancer, mais quand même, c'est un pas, puisque son qui parle dans les oreilles, en pile monde. Et puis, tout le monde qui veut entrer dans les changements, ça a montré que d'autres mondes, eh bien, qui campent à côté. Ok, très bien. Maintenant, il y a la démission. Maintenant, est-ce que cette démission sera donc acceptée par Washington ou le secrétaire d'État américain? Et parce que accepter la démission, libre de Zombagay, pas accepter libre de Zombagay, sénateur d'attendu. Ou David? Oui, mon David, moi, parce que c'est une très grande question pour vous, beaucoup. Parce que je dis, accepter démission foot, ça veut dire que l'Américain va décider de changer politique. L'Américain a décidé de rester dans le statu quo. Il a décidé que Haïti, son petit pays, côté que c'est lui qui a décidé et l'a utilisé Haïti pour lier votre lit, la tribune des Nations Unies, pour lier votre lit dans les organisations hémisphériques et pour que certains intérêts lui-même lui protéger dans le pays. Si que je dis là, je n'ai pas accepté démission, c'est que moi, tu as conscient que le secrétaire d'État a commencé à remarquer attention au bon changement qui pose. Bon changement, puisque il y a d'autres voix qui n'ont même pas de démocratie qui disent nous ne pouvons pas faire ça. Ouais. Donc moi, quoi que je dis, là, pour comment le secrétaire d'État va réagir, n'a simplement pris acte de ça au Waldia. Est-ce qu'il accepte? Ça veut dire que je dis foot, sort à dire, on n'a pas besoin donc, pour te mettre tout à l'heure. Ou bien est-ce qu'on va accepter pour dire, eh bien, mea culpa, mon autre voie qui t'a permis une nouvelle relation, nous pas quitter l'aller, en nous garder comment nous allons travailler avec. Eh bien, c'est ça qui nous donne. Et nous espérons que le département d'État a pris une nouvelle voie, puisque la relation entre Haïti et États-Unis n'est pas gâtée de combien. Ils ont une longue histoire depuis les longues batailles de Savannah. Et à part les États-Unis, même dans la grande tribune, là, ils ont été isolés, les États-Unis et le docteur avec l'Angleterre. Donc, moi, quoi que je dis, les États-Unis devront voir. Et nous avons souhaité, pour que les bagailles aillent plus rapide, pour nous gérer humainement la question de crise migratoire. Ouais. Parce que nous n'avons pas dit que les États-Unis n'ont pas de défendre les frontières. Mais le droit international, là, il dit que je dis, là, que les migrants, et bon, pas qu'à faire déportation massive, c'est cas par cas. Faut un démonio. Et puis, faut avoir un traitement humain. On va devoir séparer de famille. On va devoir maltraiter. On doit avoir un côté pour y dormir, pour y manger. Donc, moi, quoi que je dis, nous allons regarder est-ce que c'est du bout des lèvres que le département d'État dit que ça fait migrant au Babon. Il va changer politique avec les États-Unis. Ou bien si c'est une parole profonde. Et le ça a avoué que le ministre Daniel Foot, c'est un monde pour y attaquer, pour continuer à faire travailler. Ok, maintenant, dernière question. Qui est fait ou pensez que démission ça capable bien sur la politique en Haïti? La politique, en fait, dans la conjoncture actuelle là. Eh bien, et fait que le poil fait, au Canjouen, et puis le monde qui remet ça pour quoi, et avec l'ambassade de Sisson, qui est très content que l'ambassade Daniel Foucault n'est pas là, et qu'on va continuer dans la même ligne là. Et ça veut dire que pas rien de changement pour au fond, ni pour question de sécurité pays, ni pour question de production nous. Les questions éducationnelles, c'est fait avec une élection à la va-vite pour mettre en l'ordre dirigeant et pour une élection, c'est solution au problème pays. Ça, moi, je crois que des gens, eh bien, qui je dis, ah, peut-être, Daniel Foot, t'es en merdeur, t'es en monde, eh bien, qui vient droit, et justement, t'es venu mieux, donc, je suis bien content. De l'autre côté, moi, je crois que, depuis l'autre monde, quand pour moi, puis le monde a fait tweet, et je suis content de dire que, eh bien, je vais continuer ma carrière, parce que, voir, voie nationale, la vigne voie internationale. Et j'aime ce doux, l'homme qui a fait le tour de la presse internationale. Yeah, et je dis à nos sous-gros émissions à Matin Débat, qui lui-même tout a fait débat sur lui-même la presse internationale, qui montre que, attention, bon bagage qui doit changer là. Bon bagage que, il doit faire de nouveau par voie ici. Et tout le monde qui veut changer dans le pays, il y a qu'on est que bon voie qui parle en plus et n'a continué la bataille là, avec beaucoup de détermination, parce que je dis à. Et moi, je dis avec Daniel Foot, il te remet mes paroles, ça. Moi, je dis, émissaire, on dit qu'après 3 mois, on va venir pour question de sécurité. Moi-même, je parle d'un plan de sécurité pour pendant 3 mois, ça. L'on vini, où est-ce qu'il y a ici dans le pays? Où est-ce que le travail a commencé à faire? Il te remet la main,
il dit si Haïtien a fait travail, c'est encore mieux. Et c'est peut-être ça que j'ai apprécié et que j'ai regardé le Zénazé, je dis qu'il y a Haïtien qui a travaillé. Il y a Haïtien qui a fait production. Haïtien qui a fait sécurité. Et le Sahel te dit, c'est ça que l'a prié. Et je dis, si nous prenons responsabilité, nous, j'aime te dire que nous dernière émission, nous te qu'à résoudre la question de sécurité. Nous te qu'à commencer à voir gros progrès dans trois mois. Malheureusement, nous avons des dirigeants, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Pouvoir, partage de pouvoir, même espérer que, eh bien, question d'Ariel Foutla va le permettre, et bon, la prise de conscience qui fait, qui montre que même Américains, certains Américains, ils veulent changement beaucoup plus que certains Haïtiens, et ça a frappé conscience pour que nous fassions seule bataille pour payer ça à l'île. Merci, Bill, sénateur Youla, toi, merci, Bill. Puis, sans surprise, la démission, sans surprise, la démission de M. Daniel Foutla. Est-ce que son surprise pour vous, démission et diplomate Daniel Foot? Oui, parce qu'il est très rare dans un domaine aussi complexe que la diplomatie, rejoindre un diplomate qui est engagé et nos responsabilités publiques au nom de son pays, arriver à prendre position ça. Mais pour nous comprendre ce qui a passé, hein, et pour nous comprendre l'attitude de M. Foutla, il faut comprendre la dimension impact qui a passé sous frontière les États-Unis avec le Mexique, là, avec les réfugiés, la dimension impact en fait, et conséquences politiques qui a gagné pour l'avenir. Donc, M. fait un calcul qui est politique, mais qui a des réflexes humains très, très forts et très prononcés par rapport à la réalité. Que lui voit volume mystère que le peuple haïtien a passé, et lui voit contribution américaine pareille avec des traîtres haïtiens sur le territoire national pour faire le peuple a passé, misère a passé. Donc moi, je suis en révolté la conscience humaine, et je sais comment être humain lui réagit, mais très certainement, il y a un calcul politique tout par rapport à conséquences que bagay ta pral gen sur la politique aux États-Unis et dans l'élection mi-mandat. Vous pensez que ça va être capable de conséquences et sur les prochaines élections? Oh oui, pral gen conséquences. Pral gen conséquences. Parce que bagay que le président Biden fait là, son bagay d'une extrême gravité. Ouais. C'est l'application systématique de ce que Trump avait imposé. Parce que les gens sont réfugiés. Ou qu'ils doivent refouler. Mais la loi américaine a une procédure pour arriver vers ça, pour être obligé. Tendez les gens et pour analyser de manière avant de refouler. Et le par exemple, pour qu'ils aient un cas, après, imaginez des films où un cheval capturé, il faut dire le terme comme ça, capturer les êtres humains en 2021 aux États-Unis. Et ce ne sont pas des criminels, ils ont mis un avion et chaîne dans le pied, chaîne dans le pied pour détourner. Et puis, nous avons pris les Haïtiens pour affaires politiques qui ont collaboré avec les Américains dans le bagage d'Aro. Donc, moi, je crois que M. prend une décision qui est à la fois humaine et politique. Qui conséquence politique que ça capable gagner donc sous conjoncture actuelle en Haïti? On connaît que les démocrates n'ont très serré avec les républicains. Claire. Et bien en pile haïtien nord-américain qui est pour appuyer en un système électoral et américain en faveur des démocrates. Et suivant ça comme ça dit, il y a un pile défection de haïtiens nord-américains dans le système démocrate là qui de préférence et un petit peu renforcer les indépendants. Et c'est la tendance aujourd'hui aux États-Unis, c'est et le problème qui se pose en pile haïtien qui des supporters du Parti démocrate là commencer à réunir pour monter une poule de politiciens indépendants non appuyant les démocrates à partir de ce qui s'est passé là. Eh bien, est-ce qu'on croit que en fait l'avenir du docteur Ariel Henry est donc menacé à partir de cette démission, vu que dans sa lettre de démission, il mentionnait donc Ariel Henry. Bon,
il est très clair que le débat est très grave. Là. Et nous, ça pourrait faire deux mois et demi que nous en dans une situation où nous, nous avons des gens qui par contre qui savent nous faire. Nous avons gravité, question insécurité que nous avons vu. Il y a question pour nous stabiliser l'emploi. Pour nous jouer et qui j'en appelle pour nous justement faire face à la misère atroce que nous avons là. Pas de personne qui parle de ça. Tout le monde sait à faire pour voir et régler. Une guerre de position pour avoir quoi, on ne sait pas. Alors que responsabilité essentielle, ou pas de sentiment que vous connaissez, vous pouvez répondre à vous. Maintenant, il y a un pile de monde qui d'ailleurs signe plusieurs bagailles qui ont pris les accords. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de les accords. C'est un groupe de monde qui a la même idée. Si dans ensemble, nous font papier entre eux. C'est position moun sa yo. Mais nous connaissons plusieurs positionnements publics. Et ouais, M. Foot, en dans le rapport, lettre, l'écrit, il dit que un groupe de la société civile là, qui fait des propositions, yo ouais, semble que ça a bail des résultats en faveur de la population, hein, que yo banalisé gang et G9 en famille, et qui est le corps groupe là. Parce que l'autre bail un gang. C'est Mme Laline avec Mme Simpson. C'est vous-même qui déformez gang, non. C'est vous-même qui chef gang, non. C'est vous-même, et vous avez dit, et l'air fédéré, il y a plus contrôle sur vous. Donc, il est très clair que les Américains sont dans un complot ouvert contre et le peuple haïtien, en faveur de la misère, pour qu'ils puissent régler les bails politiques, pour qu'ils puissent même Moon Clinton, ils puissent voler l'argent encore en Haïti, et permettre que tout le monde qui vole l'argent plutôt au Caribe, pas jamais répondre à la question. Donc, son système de gangsterisme qui montait, avec des étrangers, Bill Clinton en tête, avec une série de affidés haïtiens qui préféraient fédérer les gangs, mettre les gangs, permettre que le pays a vivre dans la misère, dans l'inquiétude de vivre là, parce que ça a assuré l'impunité. Donc, c'est un projet politique, et là, lui-même, fout le divinicide, lui enquêter, lui, ouais, bagaille, lui déclarer carrément. Eh bien. Est-ce que ça t'a confirmé tout, en fait, le désaccord? Est-ce que ça t'a prouvé, ça t'a montré tout que bon désaccord entre Mme Sisson, l'ambassadrice, également, et M. Foot, et démission ça? Évident que nous passons même position. Mais lui dit, lui, il y a une gang qui forme de responsables américains, notamment Mme Sisson, Mme Lalime, qui a dirigé la politique haïtienne dans nos directions qui contraire à l'intérêt haïtien, qui contraire à la recherche une solution à la crise de nous, pour maintenir la population à côté de l'IA. Madame Sisson, Madame Laline, c'est pas fou, fou. Il y a des gens derrière eux qui ont profité du système de misère haïtien, et il y a des affidés en Haïti qui sont des gangsters aussi, et qui ont réglé l'affaire la vie, pendant qu'il y a pensé de l'autre gangster exposer la vie dans la RIA et tuer les gens qui semblent, les gens qui paraissent, pour qu'ils aient l'argent. Et ils ont même, dans la tête en l'air, ils ont réglé le trafic d'âme, ils ont réglé le trafic cartouche. Donc, foutre carrément que toute gang que nous avons en Haïti, c'est américain même qui organise. D'ailleurs, côté cartouche, on a passé, côté âme, on a capable de passer, et pour Homeland Security, par la contrôle. Donc, maintenant, il se trouve qu'il y a des Haïtiennes et des Haïtiens qui en d'un combinant et qui permettent que la population a subi, ça a subi la journée. Merci, colonel Imler Ribi, merci en pile. Ça a été un plaisir, bon travail.